Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment retrouver les fichiers supprimés par la dernière mise à jour de Windows 10. Il y a quelques jours que Microsoft avait déployé cette dernière mise à jour, mais pour certains utilisateurs, cette dernière mise à jour efface tous les fichiers qui se trouvaient sur leur bureau et ils se demandent comment les retrouver. Mais en réalité, ces fichiers ne sont pas vraiment supprimés, car lors de l'update, le système d'exploitation charge un profil temporaire le temps que le processus s'établisse. Mais malheureusement, après avoir finalisé l'opération, Windows 10 ne parvient pas à retrouver les bons profils. Il y a des solutions qui nous ont été proposées par l'équipe qui est en train de travailler sur cette erreur et voir comment y remédier dans les jours qui viennent. La première solution consiste à retrouver cette dernière mise à jour et la désinstaller. Comment y arriver? Cliquez sur le bouton démarrer, cherchez Update, ouvrir Paramètres de Windows Update, cliquez sur Afficher l'historique des mises à jour. Ici, il y a historique des mises à jour, mise à jour fonctionnalité, mise à jour qualité, mise à jour des pilotes et autres mises à jour. Vous allez cliquer sur désinstaller des mises à jour. En cliquant dessus, vous allez voir toutes les mises à jour qui sont installées sur votre ordinateur. Donc, les dernières mises à jour installées, vous pouvez parcourir. Donc ici, les mises à jour qui sont affichées en premier, ce sont les dernières mises à jour effectuées. Si vous êtes victime, cherchez la mise à jour. Je vous rappelle que la mise à jour qui efface l'écran, c'est la mise à jour KB4532693. Donc vous pouvez trouver cette mise à jour aussi. Moi j'ai KB2565063. C'est pas ça. Donc, si vous êtes victime, vous allez les retrouver comme ceci, ces dernières mises à jour. Cliquez dessus, si c'est ça, vous allez voir un message qui vous demande « Voulez-vous vraiment désinstaller cette mise à jour ?» N'hésitez pas à cliquer sur « Oui ». Chez moi, ce n'est pas la mise à jour, donc je ne suis pas concerné par cela. Je clique sur « Non ». Une fois la mise à jour désinstallée, redémarrez votre ordinateur. J'espère que vous aurez une solution. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et voir comment est-ce que nous pouvons vous répondre. La deuxième solution, avant de désinstaller la mise à jour, si sur le bureau il y avait les fichiers que vous devrez récupérer, vous avez aussi la possibilité de les retrouver. Comment? Faites la combinaison des touches de Windows avec R. Ici, vous allez cliquer sur « Parcourir ». Moi directement, j'accède à mon profil utilisateur ici, qui est Placide. Ici, il y a tous les dossiers et fichiers. Donc, je peux accéder sur les dossiers et fichiers qui se trouvent sur les bureaux. Ici, je peux les copier et les déplacer n'importe où. Mais ce n'est pas ça le cas. Il peut y arriver que lorsque vous avez cliqué sur Parcourir, vous avez un message vous interdisant l'accès. Pas de panique, il y a la deuxième solution. Toujours en combinant la touche de Windows et R, ici vous allez écrire pourcentage, home, paf, encore pourcentage, donc pourcentage, home, paf, fermez encore avec les pourcentages, cliquez sur OK. Vous allez vous retrouver dans cette page ici où il y a tous les dossiers et fichiers de l'utilisateur. C'est toujours moi, utilisateur. Si vous êtes victime, ici il doit y avoir des utilisateurs. Ça veut dire comment? Vous pouvez d'abord copier les fichiers ici, sélectionner tous les fichiers, bouton droit. Vous pouvez cliquer sur copier.
Vous allez vous rediriger dans un autre dossier où vous voulez coller vos données. Par exemple, ici, vous pouvez créer un autre dossier et n'hésitez pas à cliquer sur coller. Mais qu'est-ce que je vous disais? Lorsque vous êtes victime, quand le système d'exploitation s'est installé, quand le système est installé, les dernières mises à jour, vous allez voir qu'il y a des utilisateurs qui sont dans les dossiers. Donc, dossier racine des systèmes. Chez moi, c'est le disque C. Ici, utilisateur. Moi, j'ai un seul utilisateur ici. Donc, un seul profil utilisateur. Vous devez vous retrouver avec des profils. Vous pouvez maintenant copier les données du profil précédent, là où il y avait tous vos fichiers, comme je l'ai fait là-bas. Si c'est ici, par exemple, vous pouvez les sélectionner, copier et les déplacer d'abord dans un autre dossier ou disque dur, et puis retrouver maintenant les fichiers, pas les fichiers, mais les profils dans lesquels vous vous retrouvez où vous voulez travailler, mais vous voyez que il n'y a aucun fichier sur votre bureau. Donc, après avoir copié, retrouvez maintenant les fichiers. Donc, comme je l'ai fait là-bas, vous pouvez sélectionner bouton droit, copier. Ici, vous allez spécifier un autre disque, soit un disque dur externe ou votre deuxième partition. Vous pouvez créer un dossier pour ne pas perdre certains fichiers, coller là-dessus et puis revenir dans les profils où vous vous retrouvez, toujours dans sur les disques et ceux utilisateurs et votre profil concerné. Et puis accéder là-dessus si vous retrouvez qu'il n'y a aucun fichier ici. Et puis vous pouvez coller vos données là-bas et vous allez voir que tout ce que vous recherchez peuvent être récupérés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez rencontré des problèmes, n'hésitez toujours pas à nous laisser vos commentaires et nous allons trouver des solutions pour vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur la cloche de notification pour recevoir les notifications lors des nouvelles publications de nos tutoriels. Pour cela, je vous dis merci et à très bientôt.